Bonjour, salam alaikum, ahlul maghrib, غادي دابا بيف كنتكلمو، انختمي كتسمعوني؟ لباف اكسيري في العيد مصطفى باش وي فور اسيد، اوكي. اوكي، سو ناو وي ار جوينغ تو ستارت. السلام عليكم، اهلا بكم، من جنيف، من سيرن. في الاختلاس النووي العلمي في الأورغانيزاسيون انترناسيونال بور لا ريشيرش نوكليير. دابا غادي نبداو C'est bon. بعدا من عندي زكريا وشيخ، دونك مهندس في ليكسبيريونس تاع سي ام اس. وغادي نبداو بعدا بالعلماء اللي كاينين معايا. اولا اندريس غادي يهضر بالانجليزيه، ولكن عندنا حتى سونيا من ايطاليا اللي غادي حتى هي علميه وغادي تهضر بالفرنساويه شويه مع الانجليزيه. عندنا حتى معنا زولتان ونويمي، هما كاينين في الاحتمال التكنيك باش يشوفوا كل شيء، داك الشيء تاع الديتكتور تاع سي ام اس ديتكتور. ودابا غادي نبداو غير باندريس ومن بعد سونيا. سونيا اللي هي غادي تكون اكثر في سي ام اس باش توري لكم واش هي داك الشيء تاع الديتكتور. ومن بعد اللي عندكم سؤال ولا عندكم شي حوايج اللي بغيتو تعرفوا، يمكن تسولوا في الشات ولا تسولوا لنا من بعد على الاخير تاع هاد لابريزونطاسيون. مشرفين، سو حنا كنعترفوا بزاف مع المغرب، حيت المغرب المملكة المغربية داخلة مع أطلس في ماسير، مع حتى لونيفرسيتي مونميد 5 في الرباط. سو دابا سي ام اس ما معروف بزاف مع المغرب، بينا نبداو بعدا في هاد لي فيزيت تشوفوا بعدا هاد لو ديتيكتور. سو شكرا لكم على هذا، اند دروكا غادي نبداو مع أمبيس. So could you just introduce yourself very quickly? Okay, thank you. Hello, I'm Andres. I'm a physicist here based at CERN. I've been part of the CMS collaboration for a bunch of years now. And yeah, I work on something that we call luminosity, which is measuring more or less the rate of collisions and ultimately the amount of data that we collect. Yeah, and maybe Sonia, you can introduce yourself. Okay, yes, as you already know. Oh, maybe I can switch in French. Oh, as you want. Voilà, donc je vous parle français. Alors, comme vous l'avez entendu, je viens d'Italie, mais je suis aussi physicien de particules, pour être précise, physicien d'astroparticules, parce qu'en fait, je ne travaille pas directement en CMS, mais je guide normalement ici, parce que je trouve que cette expérience, c'est magnifique, et en plus, parce que ça fait partie de mon programme de divulgation scientifique qu'il y en a au CERN. Et en fait, ok, j'espère que je serai capable de vous faire vivre les émotions dès que je vais dans la caverne. Donc, merci. On va continuer en français, effectivement, pour ma part à moi et puis la partie aussi à Sonia. Et puis, c'était également un agrément qu'on avait avec l'université de le faire en français ou également déjà et puis aussi en anglais, ça ne posait pas de problème. Donc, on va commencer déjà par présenter à peu près quelques petites slides que j'ai un peu adaptées au Royaume du Maroc. Déjà, dans un premier temps, la première slide, on va dire, la deuxième, next slide, I think. It's yours. Ah, oui, ok, c'est à moi. Donc ici, vous avez une vue globale de l'accélérateur de particules, qui est le LHC, où on va envoyer des paquets de protons à partir uniquement d'une bouteille d'hydrogène. Donc c'est assez impressionnant. Ici, vous avez une vue globale sur les collisions qui se font à différents endroits de l'accélérateur. Vous avez dans un premier temps le SPS, le superproton synchrotron. Ici, on a des scientifiques en physique des particules qui vont plus rentrer dans les détails sur ces collisions-là qui se font. Et puis, vous avez ici une image d'un accélérateur de particules qui est présent au niveau du SPS. Alors, il faut savoir que le SPS, c'était un des premiers accélérateurs qui a été fait. Ensuite, il y a le plus grand accélérateur, la machine la plus complexe au monde, qui est le LHC, le Large Hadron Collider, qui lui fait une circonférence de 27 km et qui va englober, qui va atteindre approximativement 14 téraélectronvolts en matière d'énergie. Donc ça, c'est énorme.
Ensuite, vous avez des collisions qui vont se faire à quatre différents endroits du LHC. Ça va être des grandes expériences. On a Atlas, LHCB, Alice et puis CMS. Et là, aujourd'hui, à CMS, donc j'ai voulu plus rentrer dans les détails au niveau de CMS, Andrés va peut-être répéter ces collisions-là et la circonférence du LHC vis-à-vis de la région de Genève, la région française franco-suisse. Et puis, peut-être aussi, Sonia va plus détailler, on va dire, CMS en lui-même sur l'ensemble des sous-détecteurs, etc. Ça, ça va être plus sur site. Vous avez bien sûr l'Espagne, le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni qui est voilà, une région très connue à Tanger. J'espère que je n'ai pas oublié certaines choses. Ici, vous avez l'équivalent, j'ai voulu faire une petite comparaison entre les accélérateurs qu'on a au CERN et la région de Tanger. Ici, vous avez l'équivalent de deux fois le LHC, puisque voilà, si on fait un calcul très rapide sur le diamètre avec pi, vous avez immédiatement 8 km de distance, qui fait à peu près entre Tarifa et Tanger, Tanger Med, à peu près 14 km, le coin le plus proche entre les différentes deux régions. Donc ici, c'est juste pour un peu montrer une comparaison. Et puis, on peut s'imaginer, alors ce n'est pas une taille réelle, c'est vrai que Zoltan m'a un peu avant expliqué, je n'ai pas dû remettre à la taille exactement, mais ici, vous avez peut-être des futurs accélérateurs avec le CERN, où il y a un grand projet qui est en étude, vous pouvez le voir, il y a un site internet pour, où on a effectivement actuellement le LHC qui est vrai, ce n'est pas une taille réelle, je le précise, avant c'était la taille réelle, et là on pourrait avoir le FCC, alors j'ai décidé de garder la carte pour essayer de montrer à peu près un impact, ou voire même la comparaison avec la région de Tanger et Tétouan. Et donc là, vous avez peut-être le futur FCC qui sera aussi fait dans la région franco-suisse et qui va atteindre cette fois-ci une circonférence de 100 km. Donc voilà, c'est juste pour montrer à peu près la grandeur et l'impact de la recherche dans la physique des particules. Donc voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va commencer la visite sur site et puis en même temps les explications sur la partie physique des particules. Oui, donc moi, je vais me préparer parce que je dois mettre les casques et me préparer pour descendre. Donc, je vous abandonne pour l'instant et après, je reviens dans quelques minutes. À bientôt. Merci, Sonia. Merci à vous. So, if you don't mind, I will switch to English. Exactly. My French is not very good, but yes. Oh, sorry. It's okay. So, I can add a bit more detail. Sultan, I wonder if you have the set of slides that. Yeah. And yes, we can show you a few photos and a few more details about VLHC and the experiments here at CERN and CMS, of course, in particular. So here you see a photo of the, well, a photo that's taken from the Jura Mountains, which are just next to us here at CERN. That's CMS. You can use the mouse. Mm. Yes, and so this, of course, this yellow circle you see represents the LHC. We don't, you know, have an actual circle. This is all the facilities are pretty much all the facilities are underground. And you can see, before I get to the LHC itself, I wanted to show you the Alps here in the distance. So this is Mont Blanc in particular. And today we have a pretty decent view. It's a very nice day today. So the Jura look very nice. And often when you're driving to CMS, you can get a nice view of the Alps. And you, of course, see the Lake of Geneva here at the distance. And so you actually, one thing that is also interesting to point out is the Franco-Swiss border. You can see the dotted line here. And you can see that this part of the CERN facilities are in France, part of them are in Switzerland. So as part of our jobs, we cross the border multiple times every day. CMS is a bit far away from the rest of the CERN campus. So you can see it's all the way over here, whereas Atlas is more or less almost inside of the CERN campus. So there's many things that are happening at CERN. It's not just the LHC. There's many other experiments, and in the slides you saw, I think AWAKE was one of those experiments, which is a very interesting one. Well, there are many things going on. We're not going to discuss much of them. We're going to focus on the LHC. But this is, you see here, the size of the LHC, as was mentioned before. It's in circumference about 27 kilometers. And as you saw from the very nice animations,
there are multiple stages to the CERN accelerator complex. And something that's interesting to point out, in my opinion, is the history of all these accelerators. So the PS, for example, which you see here, is one of the early stages. It was commissioned in the 60s, and it's one of the first, at the time, it was the most powerful accelerator and one of the first facilities here at CERN. And it's still in use, and it's basically one of the accelerator stages helping the LHC, let's say. So the SPS is another accelerator. In fact, the PS is the proton synchrotron. They built a bigger one. They called it super proton synchrotron. And there's a lot of history at the SPS. This was operational in the 70s. And that is now sort of in service of the LHC. So I think Sonia might be ready to go through, and maybe we can. Yes. Can you hear me? Yes, Sonia. Andres? OK. Alors, je pense que je vais montrer comment je rentre, qui c'est très, disons, c'est très important. Donc, je suis devant une des portes pour l'entrée des personnes, je dois dire, pas du matériel. Et donc, l'entrée, elle est faite par, en utilisant le dosimètre personnel qui va me reconnaître à travers la borne là-bas. Et après, je dois passer 3 tests. Un test, c'est parce que, comme je dis, c'est pour des personnes. Donc, un test, c'est un test de poids et pour vérifier qu'en fait, il n'y a pas, c'est pas du matériel que je mets dedans. Après, il y a des faisceaux infrarouges qui ça sert pour détecter que moi, je ne rentre pas avec, par exemple, des sacs à dos ou du matériel que je tiens sur moi. Et le dernier, qui c'est le plus important, c'est le check biométrique qui c'est pour l'iris et celui-ci ça va reconnaître exactement et ça va me reconnaître en ajout du dosimètre parce que c'est déposé dans la base de données du CERN. Je ne sais pas si vous avez vu vous avez eu l'occasion de voir un film qui ça date maintenant de plus ou moins je ne sais pas une dizaine d'années ou même plus peut-être Ange et démon où il y a toute l'histoire que l'antimatière elle est volée au CERN et une porte comme celle-ci, c'est en fait une chose très importante dans le film. Mais je ne vais pas vous dire que ça passe parce que autrement, si vous l'avez pas vu, la surprise ne sera plus là. Donc maintenant, je procède et Naomi, elle va regarder comment, elle va montrer comment je fais. Voilà, je bâche, je reconnais et je rentre. Alors ici, et maintenant, je fais le reconnaissance biométrique. C'est fait. Maintenant, vous allez voir, parce que là, j'ai laissé la caméra à Noémie, parce qu'elle est beaucoup mieux que moi pour faire rentrer un objet dans cette porte. Comme je dis, ce n'est pas une porte qui est censée pour faire entrer des objets. Mais Noémie, elle arrive très bien, elle est une experte, donc je lui laisse faire. Et moi, je suis ici. Elle est passée, donc on rentre de ce côté-là, qui c'est déjà un côté qui ça nous amène vers la partie expérimentale. Vous voyez des portes vertes ici. C'est encore des portes comme celles qu'on a vues maintenant. Et Noémie, elle va vous montrer maintenant. Il y en a 2 ici. Mais en même temps ici, on a aussi une autre porte qui c'est la bleue. Et celle-ci, elle est censée de être utilisée pour le matériel. Donc, en fait, ce qu'on fait, on dépose le matériel. Il y a 2 portes qui sont dedans, comme vous voyez. On laisse le matériel dedans. Et après, on rentre par la porte verte que vous avez vue tout à l'heure. Et après, on réouvre ici, de ce côté-là, pour récupérer le matériel qu'on a laissé dedans. Et là, on peut vraiment mettre des objets qui sont, disons, lourds et qui prennent beaucoup d'espace. Maintenant, ce que j'ai fait, l'ascenseur, il est déjà ici. Donc, je vais rentrer dans l'ascenseur. Vous voyez, on est au niveau 0. L'ascenseur, il a assez d'espace. On peut mettre au moins une trentaine de personnes ici. Comme vous voyez, j'ai assez d'espace. Et maintenant, on va descendre. Donc, il y a 3 niveaux. La surface,
Après, on a les moins 1 qui c'est à peu près les moins 80. On a les moins 2, c'est à peu près moins 90. Et après, on a les moins 100 au moins 3. On y va pour l'instant au moins 2. Et pendant la descente, on va vous montrer ici l'écran pour montrer la profondeur, mais en sachant que la connexion elle va couper peut-être. Donc, je laisse la parole maintenant à André encore. Merci. André, okay, so, yes, it's for you. Yeah. Yeah, thank you, Sonia. So we have an alarm here in the control rooms. Apologies for the noise. So maybe I could discuss a bit of why are all the facilities are on the ground. And for a long time, I thought that one of the main reasons is because we have cosmic rays coming from space. And that's certainly true. And to an extent, having the experiments underground shield us from those cosmic rays, but not really from muons. So very often we operate our detector when there are no collisions, we're still collecting what we call cosmic data, right? So we are actually looking at those muons that come from cosmic rays that come from outer space. So the two, but there's several reasons why everything is underground. One of them is simply that that's where the bedrock is, right? And we have these heavy, very heavy detectors, and as we'll discuss in a bit more. But another reason, which is interesting, and I think I will ask Sultan for accuracy, but I believe in France and Switzerland, any property below 50 meters belongs to the state. Is that well, right? Almost from zero. Almost from zero. So that's why we can build metros, for example. It's unlike in the US. Yeah. So it means that the state owns the property underground, and that means that we didn't have to buy the property in order to build the LHC. So maybe we can come back to Sonia. Yes, Andre. Okay, I didn't want to stop you, but if you want, I can continue here before going inside. So je switch à nouveau en français. Donc, pour l'audience, si vous préférez que je parle en anglais parce que mon français c'est pas assez bon, dites-moi. Hein. J'ai aucun problème. Français écrit bien. Ok, je rigole un peu, vous avez ça, c'est qu'on dirait, c'est l'esprit italien, voilà. En italien. Ok, d'accord, donc je suis ici maintenant, je suis descendue, je pense qu'on a monté, maintenant là, il est en train de monter l'ascenseur, donc je suis dans cette, disons, salle qui est devant l'ascenseur. Et je suis dans un lieu qui est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la zone vraiment expérimentale, ça commence après cette porte coupe-feu. Il y en a deux. Mais ici, on est protégé. Parce qu'il y a une sous-pressurisation, donc ça veut dire qu'il y a les pompées tout à l'extérieur. Et donc, par exemple, s'il y a de la production de fumée, ou il y a des pertes de gaz, des choses, on peut bien... être protégé ici parce que rien ça rentre. En plus, on est protégé par le feu parce qu'on a des portes coupe-feu. Disons qu'on fait, on guide ici. Normalement, on doit avoir aussi des courses, par exemple, de savoir utiliser un extincteur, d'être premier secours. Donc, il faut être entraîné pour venir ici. C'est pas, disons, quelque chose qui rentre et on peut guider. Mais par exemple, on a encore une autre chose qui, pour moi, c'est très important, et c'est le fait qu'on peut parler directement avec les pompiers, les appeler si jamais il y a quelque chose, ça passe pas. Tout ça, c'est parce que je pense, si j'ai bien compris, il y a eu un alarme dans la salle de contrôle. Ici, ça peut arriver des alarmes. Et normalement, c'est l'alarme évacuation qui c'est une sirène qui nous dit qu'il faut sortir. Donc, on est dedans, on est censé de sortir. Si l'ascenseur il fonctionne, on prend l'ascenseur et on y va en surface. Si l'ascenseur ne fonctionne pas parce que peut-être il y a une coupe d'alimentation, on reste ici, on est sûr et on attend les instructions du pompier. L'ascenseur il est aussi protégé. Donc, la dernière chose que je vais dire avant d'entrer, c'est que en fait, ici, on est obligé d'évacuer à travers l'ascenseur. On a les escaliers, bien sûr, mais déjà, alors je parle pour moi, mais je pense plus ou moins à toutes les personnes qui sont ici. Donc, si vous calculez qu'on est maintenant à presque 90 mètres de profondeur,
Si vous faites diviser 3, qui c'est la, disons, la taille d'un étage, donc l'hauteur d'un étage moyenne dans un bâtiment, vous avez 30 étages. Et si vous êtes pressé et vous êtes stressé, faire 30 étages en haut, ce n'est pas tout à fait facile. Et en plus, vous n'êtes pas protégé parce qu'il n'y a pas de sous-pressurisation de la partie des escaliers. Donc, ascenseur obligé. Je pense que je vais rentrer ici pour montrer la première partie ici. Après, je vais directement en caverne. Je vous donne seulement un petit, comme dire, entrée. Mais c'est vraiment l'entrée. Vous verrez, je vais utiliser un petit peu aussi la nourriture. J'adore faire des comparaisons avec la nourriture. Je ne sais pas si on allait voir, peut-être il y a une sorte de couloir qui connecte où je suis, qui c'est la caverne expérimentale. Je pense que ça sera passé aussi un plan de la zone. Je suis dans la caverne expérimentale, je l'ai fait avec Clément parce que c'est plus facile. On a deux cavernes, en fait on est comme ça. Une caverne de service qui c'est ici où je suis, qui c'est très long et il est étroit. Et après, en parallèle, de l'autre côté, on a une caverne qui est plus large et plus courte, qui c'est la caverne où il y a les détecteurs et où on va rentrer dans quelques minutes. Donc là, on voit déjà quelque chose du détecteur. Je ne sais pas si c'est visible, mais donc, c'est la connexion entre les deux cavernes. Et on voit les moins 100 en bas, le niveau où on ira, à peu près. C'est 97 mètres à peu près. André, je pense que je vais partir parce que je ne vais pas parler dans la... André? Ah, OK. I speak in English. Sorry. In English. Yeah. I go through the counting room of the electronics, but as it's very noisy for me, I know that for you it's not noisy, but for me it's noisy, I will go to reach the entrance for the cavern, okay? Okay, Sonia, Andres will just present some experiment, LHCb Atlas Alice, and then we'll come back to you, okay? Okay, no problem, I go. Thank you. Bye. Okay, yeah, so I just wanted to give you guys a bit more detail about the experiments that we call the experiments, but these are really detectors. And there are four detectors that are part of the LHC program. There's more, of course, but these are the main detectors. So we have Atlas and CMS, which are similar in some ways. They're what's called the multi-purpose detectors. And then we have ALICE and LHCb, which are more specific detectors. So ALICE is mainly focused on heavy ion collisions. So instead of colliding protons, almost every year of operations, we have a short period where we collide heavy ion. So these are typically lead nuclei that we collide. And then LHCb is looking at sort of more specific physics than CMS and Atlas. So we don't have time to go into that, but if people are interested, we can discuss that after. Yeah. And so if we go to the next slide, you can see the area where Sonia is in right now. And maybe with the mouse, I can show you, they just walked out of the elevator and they walked through the service. The racks that you see, and right now they are in this corner, so they're gonna go around in a second to reach the detector. They're gonna go around this corridor, and they have to go around this pilier. So it's a very thick wall, I believe 7 meters thick, and it actually separates the experimental cavern where the detector is from the service cavern. And this allows us to do work in the service cavern while the collisions are happening. So Sonia, should we switch back to you? And then at some point I can show more pictures of the detector. As you were describing the path, so je suis en fait dans le couloir qui fait une connexion entre la caverne de service où je me suis baladée jusqu'à maintenant et la caverne expérimentale comme André l'était en train de dire. Donc, je pense que je vais revenir sur ce chemin après pour dire des petites choses. Par exemple, pour parler de cette porte rouge, mais pour l'instant, je préfère donner la priorité à la caverne. Donc, il y a quelque chose à raconter sur cette porte rouge et aussi quelque chose à montrer dans la salle d'électronique. Mais pour l'instant, je me promène de ce côté-là pour vous montrer
l'entrée, parce que je dois passer un autre check pour entrer dans la caverne, et c'est celui-ci. Donc, cette fois, c'est une porte. Les tests que je dois passer, les checks que je dois passer sont les mêmes qu'avant, mais la porte, elle est jaune parce qu'il y a une autre priorité. Alors, soit, je ne sais pas, je sais qu'Zoltan, il connaît très bien tous ces codes de couleurs, ou Zach ou André. Donc, je vous laisse décrire pendant que j'ai badge pour entrer. Et après, je vais reprendre la parole dès que je suis dans la caverne. OK? Andrés, it's OK for you? I go in. Ah, exactement. Donc, on va expliquer plus en détail sur le passage de cette porte. Effectivement, ces passages de ces portes, qu'on appelle les Personal Access Devices, les PAD, sont des systèmes de sécurité qui vont permettre de reconnaître la personne vis-à-vis de ses formations, vis-à-vis de ses autorisations, qu'elle peut entrer dans une zone spécifique. Alors ici, on l'appelle la zone surveillée, Supervised Area, qui est une zone radiologique avec un certain seuil de taux de radioactivité à l'intérieur. Effectivement, vous allez voir par la suite qu'on a des collisions dans la partie, pas à l'heure actuelle puisqu'on est en mode maintenance, on a des collisions à l'intérieur, ce qui nous donne une radioactivité pendant la phase run, mais également pendant la phase de maintenance, puisque l'ensemble des éléments est activé. On appelle ça une activation de ces éléments-là suite à la collision à haute énergie. Donc, comme vous avez vu avant, il y avait un panneau bleu qui a émis ce niveau de radioactivité-là. On peut avoir un autre panneau jaune ou d'autres couleurs qui va donner d'autres niveaux de radioactivité, si c'est aussi également des phases de contamination ou pas du tout. Donc là, Sonia a avec elle un dosimètre personnel qui va mesurer le taux de radioactivité par mois, mais également le taux de radioactivité dans l'année, pour pouvoir également voir, checker si le taux de radioactivité est respecté au niveau professionnel. Donc, je redonne, the floor is yours. Who is talking? I can talk in case. Yes, Andres? You can talk. You can talk. Yes. Okay, okay. So, this is the door. C'est la porte pour entrer dans la caverne. Il y a encore une différence de pression et c'est pour ça que donc maintenant je vais la tirer. Ça demande un certain, comment dire, énergie. Voilà. Et on rentre dans la caverne. Moi, je l'appelle l'effet waouh parce que pour moi, OK, c'est waouh. J'espère que pour vous aussi. Alors, on rentre. Voilà. Et donc, ça, c'est le slam que vous avez entendu. C'est exactement l'effet de pression dans les deux cavernes. Déjà ici, on a une petite, voilà, à nouveau, entrée du détecteur qui sait, si vous voulez, le bouchon, un bouchon du détecteur. Alors, je sais qu'après, André, peut-être il va mieux expliquer que moi parce qu'il a des transparents. Mais donc, en sachant, alors, j'avais promis à Zach de faire des comparaisons aussi, comme je disais, avec la nourriture. Alors, à mon avis, la chose plus simple pour comprendre qu'est-ce qu'on a ici, c'est de penser à un kebab avec la baguette dedans et de le mettre à l'horizontale. Donc, vous avez l'LHC, qui c'est l'accélérateur, qui évidemment, il y a c'est une grande circonférence. Donc, ça veut dire qu'ici, vous le voyez, disons comme une droite, parce que la courbature elle est très petite, la courbature elle est grande, donc, mais ici donc on ne s'aperçoit pas de la courbature, et la viande qui est du kebab, elle est notre détecteur, évidemment. Ici on a un côté de notre kebab et on a construit CMS en slice, comme on dit, donc à tranches. C'est-à-dire qu'on l'a construit en surface et après, on a descendu chaque tranche parfois dans la caverne. Et c'est pour ça que maintenant, on a la possibilité, quand on n'a pas de collision, de pouvoir ouvrir les détecteurs dans les tranches où on veut. Je vais vous montrer les tranches qui sont ouvertes maintenant, si Noémie, elle va me suivre. Alors, chaque fois que vous voyez une cage, vous avez une tranche, vous voyez donc ici,
Mais peut-être encore mieux, c'est ici. Voilà. Ceci, c'est une des tranches. Et je pense que c'est visible la baguette du kebab, c'est-à-dire l'LHC qui voyait en horizontale, qui rentre dans le dans la tranche, qui vient, disons, ça vient de votre, de notre, si vous voulez, de votre droite, et ça rentre vers la gauche. Et de l'autre côté, on a la même chose, et ils vont se rencontrer. Après, on va passer par là-bas, plus ou moins au milieu du détecteur. Alors, votre kebab, imaginez, il fait longueur 25 mètres. C'est un bâtiment de 8 étages. Et quand vous coupez la tranche, vous regardez le diamètre, vous avez à peu près 15 mètres, un bâtiment de 5 étages. Dans toutes les images qu'on va vous montrer, je vous, disons, suggère de vraiment faire attention, de focaliser quand vous voyez quelqu'un qui travaille, parce que ça va vous donner vraiment la proportion du détecteur, parce qu'autrement, on n'a pas vraiment, c'est très difficile de comprendre la taille. On perd vraiment la perspective. Donc, on vient ici encore un petit peu. Comme je disais, la partie devant, c'est un bouchon. Et en fait, vous voyez ici, peut-être Noémie peut montrer, vous voyez un bouchon. Et I leave Andres then to describe the inner, the elements inside. I just show these elements for people. Donc, vous voyez ce bouchon qui ça rentre dans la partie intérieure du détecteur. Et vous voyez aussi un anneau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir cet anneau. Qui c'est, voilà, OK. Et ça, c'est l'aimant supraconducteur de CMS qui produit au centre un champ magnétique de 3,8 Tesla. À l'extérieur, vous voyez encore de la partie métallique et de la partie rouge. Et en fait, il s'agit des chambres pour détecter les muons. Les muons, on les appelle les chambres à muons. Et c'est toute une structure en fer qui sert pour la contention du champ magnétique autour du détecteur plutôt que le faire éloigner du détecteur. Parce que, évidemment, vous savez qu'il y a un solénoïde. On a un solénoïde ici. Donc, en fait, un solénoïde, il n'a pas la taille, il a une taille finie. Et donc, ça veut dire que le moment que vous coupez ici, des côtés, vous avez le champ magnétique qui va sortir. Et donc, avec ce fer qu'on appelle le fer de retour, on les plie pour rester autour du détecteur. Évidemment, on n'est pas bien au 100%. Et donc, on peut ressentir qu'on ne peut pas rentrer ici, on peut ressentir ce champ magnétique même à l'extérieur. Un petit Sonia, peu. Sonia, oui. je vais un peu faire le journaliste, mais je connais déjà la réponse, mais juste le champ magnétique qui est émis dans la caverne expérimentale, de nous donner une valeur du champ magnétique maximum. Talking about just magnetic field. Zach, je t'ai perdu. Tu peux répéter? Oui, je disais, je fais juste le journaliste en te reposant la question par rapport au champ magnétique, la valeur. Oui. Du champ magnétique. La valeur, c'est 3, alors, c'est 3,8 Tesla. Exact. Et pour le produire, ça, j'ai vu les mesures qui sont, qui, Noémie, elle m'a montré, on a besoin de 18 000 à peu près ampères pour le produire. Yeah, but this is true only inside the detector. Yes. Yeah. And not outside in the cavern. No. Especially not now. Outside, no. Outside, c'est, disons, on sait qu'on n'est pas capable de garder dedans, qu'on appelle le fringe field. Magnetic field. Ouais. Exactly. So, Andres, Zach, you should know the value of this outside, I guess. Yes, it's 10 millitesla. Yeah. 10 millitesla. So Andres, he will just talk about perhaps surf detectors, no? Yes, sure, I can. So I was going to show you what the detector looks inside. And the picture you see now is if you were looking from the direction that the particles are traveling. So if the particles were traveling into your screen, they would collide on the left-hand side here. And you can see some different particles that may be produced. You can see what trajectories they would take.
But before I get to the particles themselves, I just wanted to describe this different layers of this inside of the kebab, if you will. So the innermost layer is the silicon tracker. And the goal of the silicon tracker is to reconstruct the trajectory of charged particles. In order to do that, it has many sensors that operate much like camera sensors. So they are silicon sensors, and we have on the order of 100 million of these that read out a lot of information. And we can talk a bit more about the tracker in particular with the tracker upgrade. So right now Sonia is pointing at the, so right now she's pointing inside of the tracker or towards the tracker volume, right? Inside of the magnet, you see this yellow scaffolding. So you don't see much in there, but in fact, if you were standing on it, you wouldn't see that much because the tracker volume is sealed because it has to be kept under dry conditions and under very specific conditions. After the silicon tracker, we have two layers of calorimeters. You can see this in the picture here. There is a green layer and then a yellow layer. So calorimeters, the purpose is to measure the energy of the particles. And in order to do so, they stuff the particles. They are made of very heavy, dense materials. And so that slows down the particles until they usually come to a stop. And when as they slow down, there are materials in the calorimeters. These are scintillating materials. So that means that they produce light when a particle hits the material, and the amount of energy that is produced is proportional to the energy of the particles. So with that combination of knowing the trajectory of the particles and knowing the energy that was deposited, that is a lot of the information, a lot of what happens is already measured by the tracker and calorimeter. This is all enclosed in the magnet. And in fact, you can see part of them. You can see the magnet is the silver colored section in the figure, but you can see the edge of the magnet. It's a cylinder 6 meters in inner diameter. And you can see the edge of it just outside of that yellow scaffolding. So I would say that most of everything I just described is inside of that magnet. And if you think about it, CMS, most of the detector is inside of the magnet. And you can see that NCAP nose. You can see on the left is what we call the NCAP nose. When the detector is sealed, that NCAP nose fits inside of the magnet. So what's the rest of the detector is dedicated to muons, to the measurement of muons, which are just like heavy electrons. And muons are so important for us that it's part of the name, right? It's compact muon solenoid. So the muon system is immense, and it contains a lot of steel. The main reason for having so much steel, and when I say a lot, I mean 12,500 tons of steel. If you take the entire detector of the CMS detector, it's about twice as heavy as the Eiffel Tower. And a lot of that weight comes from the muon system. The steel is there because it's part of the return yoke. So the outside of the solenoid, within that muon volume, we still have 2 tesla of magnetic field. And something interesting about it, and Sonia is pointing right now to those muon sections in the barrel at the moment. And something interesting you can see from the figure is that if you look at the yellow line, this yellow curved line, it represents a muon. And within the... Sorry, well, I don't know why I said yellow. Sorry, the blue line. Sorry, the blue line, the curved line. So if you see when it is inside of the superconducting solenoid, it curves one way. And then when it exits the magnet, it curves the other way. And this is a fact, this just based on the fact that the direction of the magnetic field flips when you exit the magnet. And this is a very interesting fact. It's also part of our logo, which is a very cool fact. So I think that's a very quick, but more or less comprehensive overview. Andre? Maybe Sonia, we can come back to you. Sonia. Yes, okay. Yes, in fact, I wanted to show the logo you were talking about. Exactly. You have the logo. And okay, now let me joke a little bit. My name is Sonia. It's like an S, you know? It's just like that. So
It's also in my honor. Just joking, of course. Now, I jump in just because I wanted to show the work in progress. We were commenting with Noemi. So you see how cable on the top, I don't know if you can see, are well arranged. Okay, they are all connected, there are bandwidth, etc. But there is a zone where they are still working. Maybe I can put my finger here. And we were just commenting that they should do something because it's still not as it should be for the end of this shutdown. You can also, I don't know if it's visible, here you have some yellow cables. These are optical fibers coming in, while these are standard cables, etc. Okay, so this is just work in progress. And this is, again, I stress, is possible because we can open a CMS as an accordion. Let me say that this is not possible for the other experiments. The other experiments, you had to remove everything you have in front of you to reach the inner part. Here, you cannot. You don't have. You open whenever you want, you enter. Okay, apart the real barrel where you have the magnet. Okay, I think I will go, I don't know, on the bottom or the top. Zach, quel tu préfères? Que je vais en bas ou je vais en haut? First the top and then the bottom. Exactly. Okay, first the top, Zoltan. Agree. Okay, Zoltan is the boss, so we go on the top or the roof. And then thank we you, go, go down. Yeah, thank you. I go to paradise and then I go to the hell. Okay. I know. It's better to see at first the overview of the detectors and then from the ground floor. Well, I think you can talk about why it is open now. Mm. Yeah. Okay. So Sultan suggested we talk about. Well, what we already agreed anyway. So. Yeah. So yeah. You so give me the timing. At the moment, there's a lot of work happening. So we're currently in the end stages. Sort of the year-end technical stop. So every year, at the end of the year, we have a shutdown. So we stop having collisions, and there's a year-end technical stop. And very often, we do some work, right? You know, the detector is one of the most complicated objects in the world. So we certainly have to do maintenance work and replace certain parts, whatever they may be. So a lot of work is happening at the moment, and we're getting ready for the second year of the what we call run three, which we started just last year. So I don't know too much of the specific work that's happening. Some of the work that we saw looked like it was related to CSCs, but I'm not certain exactly what the work is happening. I don't know if Sultan, you know any more detail. Maintenance. So I do know that there was an issue with a water leak in one of our detectors, the electromagnetic calorimeter, and that was a very problematic. A significant sector of the detector was offline because of that, and technicians worked throughout the winter break in order to recover that section of the detector. So we're very, very happy that it's back and operational. Well, in a nutshell, and sorry for interrupting, in a nutshell, with such a complexity, you can always expect something that happens. It's much more complex than the systems at home. Yeah. But even at home, we always get every day get something issued. You can imagine that here it is much more. Yes. Yeah. So right now we can see. I mean, maybe Sonia, you can tell us about what you're looking at the moment. Yes. Okay. Now, as you can see, okay, Noemi, she's showing us the shaft. C'est-à-dire, c'est le grand trou où on a descendu toutes les tranches une par une et après on les a assemblées dans la caverne. Vous voyez que je suis montée et je suis presque au cinquième étage, comme vous voyez. Peut-être on peut voir aussi là encore l'LHC, la beam pipe, qui c'est là. Voilà, on est les deux avec le point, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, si j'ai la permission, je ne sais pas, j'aimerais bien aller
sur CMS. Je ne sais pas si c'est possible maintenant. C'est possible? OK, d'accord. Donc, alors, je reviens. Suivez-moi. Je mets lumière. Et on y va. Voilà. On this side. Okay. So you see. Ah, we have to. Okay, yes. I never did this. Okay. I go, you see, this, the stairs, they are very small. And now I'm going on the roof of CMS. This is something, this I have to tell you. I know this is a virtual visit, but you will never get the chance to be here if you do not work at CMS. As a visitor, you are not allowed to come here. Sorry. Yes, you are not allowed to stay here. So now we are really on the roof. And okay, I think we can do a 330 degrees thing. Ce qui est intéressant ici, à part, OK, tous les outils qu'il y a, tous les, il y a bon, le câblage que vous voyez, il y a beaucoup de choses. Certains, évidemment, ils sont plutôt pour des experts. Après, je ne sais pas si en surface, vous voulez ajouter. Sonia, je voulais seulement oui. Pas. Oui, oui, bien, je voulais oui. Ajouter quelque chose. Là, on voit en direct le stockage d'hélium. Donc là, c'est... Oui, celle-ci qui est devant, oui. Exactement, c'est, oui. C'est un stockage d'hélium. Et ici, voilà. On va celle-ci. Utiliser cet hélium-là pour refroidir le détecteur et l'aimant, surtout voilà. L'aimant, hein, puisque comme on a besoin, on atteint okay. À peu près 18 000 ampères sur l'énergie. Donc, voilà, oui, oui. Je te laisse continuer sur la suite. Non, c'est bien parce que ici, c'est foncé maintenant. OK, Noémie, elle a allumé sa lumière. Et ce qu'on voit aussi, peut-être, je ne sais pas si tu veux dire, vous voyez cette structure rouge qui sont au plafond. En fait, c'est un système à nouveau. Moi, je dirais que c'est la dernière chance pour couper du feu dans la caverne. Des soucis et quelque chose qu'on ne veut pas utiliser parce que ça va abîmer le détecteur une fois qu'on a l'utilisé, parce que ça va sortir de la mousse. Mais peut-être, Zach, il peut dire quelque chose en plus. Ça, oui, c'est oui, ton, oui. Disons, domaine. Exactement, voilà, que je te laisse. De la sécurité nucléaire. Donc là, on a Andrés qui nous avait un peu expliqué les différents modes de fonctionnement de la caverne expérimentale. On a la période de maintenance, on a la longue période de maintenance qui va durer beaucoup plus longtemps. Et puis, on a la période de run où l'ensemble des éléments sont fermés. Vous imaginez bien que, étant donné que la machine est complexe, les systèmes de sécurité également sont complexes. Donc, on a le DSS, le Detector Safety System, qui va nous permettre de détecter des données très importantes. Par exemple, en premier lieu, des données sur la détection d'eau, de gaz ou autre. Avant, Andrés a mentionné le problème avec ICAL au niveau d'une fuite d'eau. C'était également détecté par le système DSS pour cette détection d'eau. Donc, imaginez-vous, c'est à peu près un câblage énorme qui va partir sur l'ensemble des détecteurs et des sous-détecteurs pour pouvoir détecter possiblement des problèmes techniques qui pourraient engendrer des problèmes de sécurité au niveau de la sécurité même du détecteur. Ensuite, nous avons des éléments et des systèmes de sécurité d'extinction qui vont permettre d'agir, cette fois-ci en action, sur le détecteur. Ce qu'elle a montré Sonia là, au-dessus du CMS détecteur, c'était le système de FireDOS, c'est-à-dire foam system, système d'extinction à mousse, qui va permettre d'utiliser en dernier ressort. C'est vraiment le système de sécurité qui est utilisé en dernier ressort en cas d'incendie dans la caverne souterraine. Il faut s'imaginer à peu près que cette caverne, la distance est l'équivalent d'un gratte-ciel, mais à l'envers. Donc, c'est quand même très contraignant. Et puis derrière, on a d'autres systèmes de sécurité qui vont plutôt agir dans le détecteur. Ça va être des systèmes à base d'azote. Qui vont agir de manière ciblée dans le détecteur en cas de détection en interne. Ensuite, on a d'autres systèmes comme le CO2 ou voire même l'eau, plutôt des brouillards d'eau qui vont être sous le détecteur. Peut-être que par la suite, on aura le temps de voir avec Noémie sous le détecteur CMS exactement comment ça se passe. Voilà. Zach ? Oui.
Ouais, je voulais seulement montrer une chose. Alors, on a bien montré le chart, donc le trou où on a descendu. Je vais le remontrer encore les tranches, disons, ce que nous, on appelle les wheels du détecteur. Mais ce que je voulais montrer, c'est, alors, la tranche, elle fait évidemment un certain diamètre. Et la distance qui était laissée quand on a descendu cette tranche entre le détecteur et la paroi à côté, c'était quelque chose comme 10 cm. Je vous montre ici parce que c'est très impressionnant. Si Noémie peut montrer, en fait, c'est la distance que vous avez à celle-ci, dans celle-ci et ici. Vous la voyez en profondeur, ça donne vraiment l'idée de ce qui restait entre la paroi et la cage de chaque tranche. Et c'est pour ça qu'en fait, pour les tranches plus à l'extérieur, ça a pris à peu près 8 heures pour les descendre. Et par contre, pour celle centrale où il y a aussi les mains, ça a pris à peu près 12 heures. Et la grue, elle était louée par le port de Genoa en Italie. Et c'est la grue classique qu'on a dans les ports pour les navires. Donc, elle était installée au dehors de notre bâtiment. En sachant que le bâtiment, il contenait CMS, donc il fait, je pense, comme un bâtiment de à peu près 6-7 étages, je dirais. Donc, la grue, elle était installée dehors. Maintenant, ce que je fais, je descends et on y va voir, par contre, les détecteurs, pas du haut, mais du bas. OK, je vous laisse la parole. Okay. So I wanted to also point out a quick thing. So you probably have noticed, and Sonia pointed out a few times, the beam pipe. And the beam pipe, you can still see it in the image here. It's the tube through which the particles travel through when they get to CMS, and they collide in the center of the detector. So one thing that you may not have noticed is there's a rope that supports the beam pipe. And the beam pipe is one of the more delicate items, or one of the components that's one of the most delicate in the detector. And recently, so a couple of years ago, we replaced the beam pipe. So from 2018 to 2021, we had what we call the lung shutdown. And we spent 3 years doing all of the maintenance work that was required for the collisions that we have right now. But also there was a lot of work in anticipation of a future upgrade of the LHC. So what we call the high luminosity LHC. So a lot of the work that's happening now, even now, is aimed at addressing issues that will be of concern when we have this high luminosity LHC. So the idea is that in 2027 or 29, around that time, we will increase the rate of collisions by almost an order of magnitude. So we will have many, many more collisions than we do now. And that means that many parts of the detector need to be upgraded in order to cope with the rate that we're going to have. And the beam pipe is one of those items. The beam pipe itself needed to be replaced with a smaller diameter one, because in a few years, we're going to replace the innermost part of the detector. And it's going to take up so much room that we needed a small beam pipe. So Sonia, do you want to tell us about the feet? Yes, thank you, André. So I'm here now. As you see, I'm in the basement. Je suis vraiment en bas. Et peut-être Noémie peut vous montrer maintenant la taille du bas du détecteur. Je me suis arrêtée ici parce que, en fait, ici on a le système qu'on utilise pour ouvrir les détecteurs. En fait, vous voyez qu'il y a tout un système de câblage en acier. Et ce qu'on fait, on accroche ces câbles de les deux côtés des tranches et on tire avec beaucoup d'attention dans les deux côtés, de manière qu'on peut, vous pouvez imaginer que c'est quelque chose qui ça doit marcher en parallèle. On ne peut pas risquer de le faire, de tirer plus d'une fois, d'appliquer une force différente d'une fois plutôt que l'autre. On va faire un torque, donc
on peut pas. Et donc, c'est très délicat. Et on a des systèmes aussi au centre quand il faut refermer le détecteur. Ici, je suis, moi, je les appelle les pieds, mais en fait, ils sont des pads du détecteur. Je peux vous montrer, peut-être je peux déplacer ça. Je peux vous montrer qu'il y a tout un système de tuyaux parce que ça, c'est aussi, ça fait partie de ce manœuvre pour ouvrir le détecteur. Parce que ce tuyau-là, ça nous permet d'injecter de l'air comprimé qui ça va, comment dire, rendre plus légère, c'est pas que ça va vraiment soulever, ça va rendre plus légère la tranche et après on peut tirer, disons, de manière un peu plus tranquille les tranches. Donc, c'est vraiment avec de l'air comprimé, on arrive, en sachant que la tranche, elle pèse 2000 tonnes. Hein? Les tranches, donc 2000 tonnes. Moi, je fais toujours la comparaison avec des voitures. Si vous pensez à une voiture, je sais pas, Renault Clio, je sais pas, une, peut-être une Polo Volkswagen, une chose comme ça, c'est à peu près en tonnes. Donc, quand je parle de 2000 tonnes, c'est 2000 voitures une sur l'autre. Et le poids total de l'expérience, je sais pas si c'était dit, c'est 14 000 tonnes. Donc, c'est énorme comme poids. Eh bien, on arrive avec l'air à faire cette chose-là. Je sais pas, je voulais voir s'il y avait du champ magnétique résidu ici. Je sais pas s'il y a, on peut essayer. On the other side, okay. We can go on the other side. So, on va se promener un petit peu. Alors, voyez, je vous montre. Alors, moi, je suis pas grande taille. Je suis pas grande taille. Je suis 1m60. Mais vous voyez que ça donne. OK. Je suis vraiment au pied d'un bâtiment de 5 étages. C'est vraiment impressionnant de ce point de vue de voir hein, les détecteurs. Alors, je sais pas, j'essaye. Ça, c'est peut-être que ce tour grand, peut-être il faut aller de l'autre côté. On regarde, j'ai quelque chose, je prends les petits parce qu'ils sont mieux. Là, Sonia est en train de nous montrer, va nous montrer un peu l'effet du champ magnétique résiduel qui est encore présent dans la caverne. Donc, dans la caverne expérimentale, dans l'UXC55 qu'on appelle, il y a encore un champ magnétique résiduel qui est présent, à la différence de, puisqu'il est émis bien évidemment au niveau du détecteur, comme on l'a expliqué sur, sur les noïdes. Et donc là, on voit très bien l'effet du champ magnétique résiduel. Yeah, it's the grease. You see, this is what I can do for science, you see? Exactly. Yes, yeah. Okay, don't ask me to eat this. I mean, it's a real scientist on site. Yeah, yes, this is experimental science, really. Okay, I have some here. I don't know if... no, they... Okay. They stick... Et lors de la phase run, c'est quand, si on refait la même manipulation, non, évidemment, il n'y a pas de champ magnétique. Donc, ça stique. Regardons en bas. Je voulais faire une autre chose parce que même de l'autre côté, alors ça, c'est un champ magnétique résiduel. Je dois dire que quand il y a du champ magnétique, l'aimant, il est vraiment, il fonctionne. Même à l'extérieur, on peut faire beaucoup plus de ce que vous voyez maintenant, avec les 10 millitesses là. On peut faire beaucoup plus. Exactement. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc là, ça tombe. Je voulais voir si je peux les mettre. Non? Ah, yeah, OK. Let's see here. Non, ça ne marche pas. Donc, ouais, voilà, ça, c'est le champ magnétique virtuel. Je ne peux pas vous montrer beaucoup plus que ça. C'est déjà très bien. Ah oui, bien sûr. Hein, c'est déjà très bien, mais alors… bon, il faudrait regarder les autres visites virtuelles quand il y a le champ magnétique. Je m'amuse beaucoup. Ben, vous voyez donc, déjà, ça donne quelque chose. Et ici, il n'y a pas de champ magnétique. Je ne sais pas, on peut donner un coup d'œil des autres instruments qu'on a. On voit le tuyau du faisceau, la beam pipe du bas. On a un ruban qui ça permet de la garder, d'éviter qu'il y a par gravité qu'elle va se plier. Et après, on est vraiment sous le trait où il y a les bouchons qui rentrent.
Andres, do you want to add something or Zach? So very, very quickly here, you can actually see the support for the beanpipe that I mentioned earlier. Mm-hmm. So you, and you can almost see the tracker volume, which is sealed, so you don't see that much. But this is a very nice view, and I think you, Sonia already mentioned, but the, these virtual visits, of course, you're not here in person, which is very impressive, but at the same time, you get to see so much more of the detector than you would if you were, in fact, here. So this is a very, very nice view. You can see here part of the tracking, where the tracking volume is, and part of the calorimeter end caps. It doesn't, you know, you have to use your imagination a bit because the volume is sealed. But it's the best view you can get at the moment of the detector, I would say. So I think maybe we can take an opportunity to ask if there are questions. So if anybody has questions from the audience. Andres, I found something very funny. I cannot avoid to show you. This is Italian creamy ice cream. You see? This is sticky, horrible sticks I have on my fingers, and Noemi too. But it seems really, you see, Italian creamy ice cream. Okay. So yeah, but you don't feel the smell. Yes. Okay. Yes, it's not the same. But it's not so, you know, it's something as I don't know, lychee maybe. Is there something acid? No. Okay, I don't know. Don't try. No, I don't want to try. This is just the ceiling. I mean, for just to understand people, it's not real the crane. This is the ceiling for some parts of inside of the detectors. Mm-hmm. If we just come back to Tangier and Tetouan to Morocco, if you have any question, il y a un comme سؤال ولا شيء حاجة ما تقوله غير قولوها ما كان حتى شيء مشكل. لا كتبوها في الشات. Okay. Est-ce que vous entendez? Ma can't smell bien. Tu peux le micro? Vous êtes devant le micro ou Ah, là, c'est Tetouan. Tetouan, yeah. But they are very far from the micro. Yeah. Yes. Je vais juste vous approcher un peu du micro et après vous poser votre question. Si vous n'avez pas de questions. Si vous n'avez pas de questions. C'est dans un carrière, donc il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si les collègues de ont des questions. D'accord. Ok, très bien. Il n'y a pas de questions. There is no question. Ok. Alors. On fait cette visite, je prends l'opportunité un peu d'expliquer, on fait cette visite déjà dans un premier temps pour faire découvrir avec des scientifiques comme Andrés, des ingénieurs, il y a tout l'ensemble des domaines ici à CMS. Donc les scientifiques, ils ont vraiment besoin des ingénieurs aussi pour planifier, organiser de manière en toute sécurité les différentes activités qui vont être menées dans la recherche expérimentale de la physique des particules. Les scientifiques aussi, comme vous l'avez pu le voir avec Sonia, sont également des scientifiques de terrain. Ça veut dire qu'ils vont aller s'occuper de certains sous-détecteurs. Ici, il y a de nombreux pays qui sont impliqués dans la prise en charge des sous-détecteurs, voire même de certaines technologies. Et donc, c'est le partenariat avec certaines universités, certains pays, qui va permettre, bien évidemment, de prendre en charge l'ensemble de CMS, puisque vous imaginez bien que les matériaux sont des matériaux qui coûtent énormément cher et qui ne sont pas produits de manière multiple pour CMS. C'est des matériaux qui sont produits spécialement pour le détecteur de CMS. Donc ici, il est important de mentionner l'implication des universités du monde dans CMS. On a énormément de pays, vous pouvez voir sur Internet les différentes collaborations qui sont faites avec CMS et différents également étudiants, des post-docs, des chercheurs, des professeurs, des ingénieurs, des techniciens même, des techniciens très poussés sur certains domaines, puisqu'on a vu le système de refroidissement, les systèmes de refroidissement qui sont au CERN sont les systèmes les plus ingénieux et les plus poussés au monde, puisqu'on refroidit à haute intensité ici au niveau du LHC, voire même au niveau de CMS.
Donc, voilà. On va continuer avec Sonia, peut-être qu'elle a autre chose à dire. Or, André, do you have something to tell? No? Okay. Sonia? Je voulais seulement ajouter, j'étais en train d'écouter, même si ici, pour moi, c'est très bruyant, mais donc, qui tu parlais de tous les métiers qu'on peut avoir au CERN, on a aussi des programmes pour des étudiants des écoles supérieures. Je sais que maintenant, on a déjà, disons, notre public, il a déjà passé ce niveau, mais peut-être ils ont intéressé aussi à savoir que c'est tout à fait possible de, il y a des programmes de 2 semaines pour accueillir des élèves de, disons, des lycées ou des écoles supérieures, disons. Maintenant, je suis en train de remonter et donc, je reviens sous mes pas. Je voulais seulement m'arrêter pour parler juste un petit moment du fait que, en fait, quand on arrive comme visiteur, on s'arrête ici. Donc, ça, c'est le maximum que vous pouvez faire. C'est ici. Donc, on revient, en fait, où on est rentré. Et donc, avoir une visite virtuelle, c'est quelque chose de très spécial parce que c'est vrai, vous n'êtes pas si en vrai, mais vous avez la chance de regarder plusieurs choses qui c'est pas possible de regarder. Maintenant, on recule et je voulais, comment dire, stresser le fait qu'on peut venir ici, pas dans la caverne, évidemment, parce que s'il y a des collisions, on ne peut pas, mais on peut descendre à ce niveau pendant toute l'année. On sort qu'il y a moins de bruit. Et ça, c'est à cause de la fameuse porte rouge qui est à l'extérieur et qui ça nous permet de, d'avoir une deuxième voie de secours qui ça demande pas de passer à travers la caverne expérimentale. C'est-à-dire que la porte rouge de ce côté-là, ça fait partie de la caverne de service. Et donc, par contre, des autres expériences, ils ont la deuxième voie de secours, mais ça demande de passer à travers la caverne expérimentale. Et ça, c'est un choix du CERN pour le visiteur, c'est interdit. C'est-à-dire, vous venez quand il y a les collisions, on s'arrête là, on ne peut pas rentrer ici, mais on peut descendre. Donc, planifiez votre voyage au CERN, venez nous visiter, parce que CMS, ça vous permet de venir ici. Et à ce coin-là, on s'amuse avec les 10 militaires là de champ magnétique. Maintenant, je vais de l'autre côté. Donc, Sonia, je badge. Oui. Sonia, est-ce que tu me reçois? Est-ce que par la suite, on pourrait, dans la caverne de service, parler de l'analyse data? Oui, je peux dire quelque chose sous le trigger. Mais je ne sais pas si André il veut commencer. Et après, OK, je peux montrer un peu de câblage, quelque chose. Oui. Okay, Andres will start and then we'll come back to you. Sure. So, I think we can discuss a bit about the way we collect the data and how much data we collect. So, at the LHC can deliver collisions as often as 40 million times per second. And so this is one of the signs for the emergency exit. And this actually, this door leads to the LHC tunnel. So we are normally never allowed to use it, but in case of emergency, we do have to go through that door because there's a spare elevator on the other side. So I was saying that we see collisions as often as 40 million times per second. And anytime we collect the information from one of the collisions, it's a bit like taking a photo in the sense that you have a couple of megabytes of information. And so we cannot possibly store or record all of that information. We have to select or filter which events are the most interesting. And this is the trigger system is what actually has several stages where it takes unattended decisions, right? So the first part of the trigger system runs unattended and it looks at certain signals or signatures in the detector. And when it finds they meet certain criteria, then those events can be collected, those interactions or collisions. And the racks behind where Sonia is at the moment, some of them belong to the trigger system.
But this is just high voltage. Yeah, what you see, those red cables are actually, yeah, these are for RPCs, for part of the muon system. Yeah. And there's many, many channels. You can see that there's a lot of high voltage cables. Each of them is a couple of kilowatts. So there's a lot of power supplies that are needed to run the detector, as you can imagine. And there's a lot of the infrastructure, not just the power supplies, but also the readout system. So we have a lot of, most of the signals that come from the detector are carried over fiber optics. So we need a lot of equipment that can read out that information, decode the information, process the information. And again, there's many... Sonia, it might be on. Yeah, be careful with the cables. Yeah, no, I don't touch. I know. I just use the grease. Okay. I wanted just to jump just for quickly to say that, yes, this is high voltage, as you have seen. Now, I don't know how many physicists are or engineers are in the public, but to me, this wall is not simply a cabling. This is a metaphorical way of part of the character of a physicist or an engineer, because you need to focus on your job. Look, you need to be precise. Each cable has its own length, because you see they are very well arranged regularly. You need to put a label on each cable, and you need not to swap cables, otherwise everything will not work. So this is really, you need to be focused and also to like the job you are doing, because otherwise it could result very boring, I should say. Now, I don't know if I say this because I'm sensitive, because I did cabling, not of high voltage cables, but optical fibers. But I can tell you that there is a certain satisfaction after your cable, you have done this kind of cables, cabling, and you switch on the button and everything works. So you are really satisfied. You say, okay, I did my job today. So this is something that I like a lot. No, maybe it's also the red color, I don't know. And then just altering, just to add, and then I leave again the floor to André. Pour ce qui concerne, disons, le filtrage des données, on a deux systèmes. On a un système qui est ici en bas, qui on appelle le level one trigger, qui est en fait à cette chambre ici, et une qui est, disons, jumelle plus ou moins, qui est à l'étage supérieur. Et en fait, ici, on fait un sort de filtrage. On reçoit les données de la caverne. Et les filtrages qu'on fait ici, c'est un filtrage qu'on appelle hardware. Ça veut dire qu'on coupe sous les signaux, c'est-à-dire, par exemple, sous le courant, sur le voltage, sous la charge. Donc, par exemple, j'ai un signal, je veux qu'il somme les signaux qui sont plus hauts qu'un niveau 5 milliamps. Je les laisse passer, les autres, je les coupe, parce que je ne peux pas, comme André il disait, je ne peux pas tout stocker. Je n'ai pas la capacité de tout stocker. Ça, une fois que vous avez fait tout ça, bon, il y a une autre chose, parce que vous formez aussi les objets. Si vous connaissez l'object oriented, donc vous allez former ce qui vous a, après vous allez appeler électrons, mais au niveau software, et les protons et tout ça. Et on les envoie au, où on a un autre système de filtrage qu'on appelle high voltage trigger. Et celui-ci, c'est software. C'est-à-dire qu'il vous coupe sous l'énergie que vous avez associée à cet objet. Et software qui vous appelez électron, proton, ou positron, disons tous les particules. Donc, ils sont deux systèmes, et ça, c'est très particulier pour CMS, parce que les autres, ils ont trois systèmes. Disons, la tradition dit qu'on avait trois filtrages, level 1, level 2 et level 3. CMS, il a simplement un niveau, c'est level 1, et après le niveau plus haut, qui c'est high level voltage, à haut en surface. Andres, I give you the again the floor, and I come up to the surface. Okay. Okay. Thank you, Noemi. Yeah. So I just wanted and to. Sonia. Yes, I just wanted. Yeah. No problem. No problem. Both Noemi and Sonia. I just wanted to add a quick word with the upgrade and with how it relates to the trigger. So at the moment, under these kind of conditions, right, when we have collisions, we, let's say we transfer in the end a few
let's say, a handful of gigabytes per second that are actually stored and transferred after this entire filtering process. But all of this readout needs to be upgraded. I mentioned for the high luminosity LHC, we will have an increase of almost an order of magnitude. So it's something like 7.5 times at more rate than we have now. And the readout system and the trigger system, all of that also needs to be upgraded as well. So I think we're getting towards the end of the visit. Sultan, maybe is there something we haven't covered yet? That there is one more thing. It's the control room. Exactly. So as soon as Sonia is back on surface, they will swap the headset. Yeah. And so, Zap can go around. We'd like just to show the many panels that we have in the control room, how we are managing the entrance, and also the detector safety system. And maybe before we get to that, so at the moment, as we mentioned earlier, we don't have collisions at the moment, of course. We're expecting the first collisions around the end of March, and we'll have collisions until something like the end of October. So that means that at the surface, we have a minimal crew. So we only have the shift leader and the technical shifter. But normally during collisions, we would have several more people in the control room 24/7. So many that we couldn't fit here. So the virtual visits are usually running from another place. Yeah. Yes. Normally we always have a shift leader and a technical shifter, especially when the magnetic field is on. We definitely need to have people here. So I think Sonia wants to show. Coming soon. No, she's just discussing. Okay. I think we just wait when she'll arrive in the control room. No, I mean, okay. Can you put me on? I'm on? Yes, you are on, Sonia. Ah, yes, sorry. Okay, yes, okay. I'm just waiting for Noemi. I'm close to the model here, but you have already seen the detector. So I don't think now it's really interesting to see again. However, this gives a big picture of the structure. You have already seen the slides. Maybe it would be much more interesting, at least to me, to show this picture before I enter the control room. I don't know if you can see that it's written CMS. Wonderful. I don't know if it's visible from the screen. Yeah. And now, okay, as far as I know, I never checked by myself, but I was told that when you have the light background is a woman, and when you have the dark background is a man. So this should give you the percentage. I don't know if it's totally true, but it should give you the percentage of the female presence in CMS. And I would say that we should respect a little bit also the female presence at CERN. Now, if I don't know my public, but if there are, women, please come to work here. Don't give up. And for men, please push girls to be in science. This week is the week of women in science. So I profit to leave this message, okay? I come to the control room. Comment l'a expliqué avant, as you can see here on the CMS panel, this is all scientists that they give all the functions to CMS detectors and all the works to improve the detectors and to also to see new particles in futures. So now Sonia is just behind me. Yeah, actually as they entered the room, their connection just lost. But Noemi, you have to reconnect. Yes.
Okay, so now I'm going to show you just the control room. I think Sonia, you can also come with me if you want, if you have some other things to also to explain. So in the control room, I will just show you the part of all the part of the DSS part, detector safety system, and we come back also to French. Ici, on est dans la salle de contrôle de CMS. On a plusieurs salles de contrôle. On a la salle de contrôle principale, la CCC, et puis la salle de contrôle aussi, qui est aussi ici, et ils sont en relation même. Ici, on a le shift leader, le matter of safety. On va dire que c'est le capitaine aujourd'hui des opérations à CMS. Il a une vue globale à peu près sur les différents systèmes de sécurité, sur également certains sous-détecteurs, etc. Ici, on a un affichage standard. Pourquoi standard? Puisque le même affichage là est disponible à Atlas, à l'ICMS, à l'HCB et voire même au CERN, à la salle de contrôle principale. Ici, il vous donne le statut du LHC et du BIM, c'est-à-dire du faisceau, et également sur le statut actuel de l'accélérateur de particules où on est en période de YET, c'est-à-dire en période de maintenance. Ici, on a le shutdown, no BIM. Voilà, s'il y a le BIM, il y aura écrit qu'il y a le BIM. Et puis, le statut également sur la luminosité, mais ici qui est de zéro, effectivement, puisque on est aussi en shutdown. Il y a d'autres éléments, Sonia, qu'il faut rajouter ou peut-être pas au niveau de cet écran-là? Ah, OK. I think from here. Oh. Yeah. I can talk here? Yes. OK. So, no, the only thing maybe I could add that you see that there are. OK. Je parle français. Pardon. As you want. Non, non, mais OK. Désolé. Donc, il y a différents. Il y a. En fait, on a des chiffres, non, des monitorages de tous les quatre détecteurs. Et dans tous les monitorages, il y a aussi la quantité de, disons, de particules de collision qui s'est délivrée dans chaque détecteur. Alors, moi, comment dire, j'adore toujours introduire pas seulement des choses techniques, mais aussi des choses qui ont vie tous les jours. Et par exemple, c'est très important qu'il ait l'HC, il délivre la même quantité de collisions à CMS et Atlas. Autrement, c'est un peu problématique. Vous comprenez que la statistique qu'on va collecter, c'est très important pour l'erreur statistique. Et donc, c'est clair que s'il y a, pour quelques raisons, un problème, alors, la salle de contrôle de l'HC va recevoir un appel, soit de CMS ou Atlas, pour dire pour quelles raisons l'autre, il a un peu plus que moi ou jamais un peu moins, je pense, mais un peu plus sûrement. Donc, il y a des choses, des paramètres qu'après on appelle en général l'optique de l'accélérateur qui sont marqués là-bas. Certains sont vraiment techniques, mais ça permet aux experts de comprendre la condition du faisceau, si c'est un bon faisceau, et aussi estimer de combien de temps il peut rester pour produire des collisions, en fait. Bon, les autres sont vraiment techniques. Donc je pense OK, je vais montrer l'autre côté de la salle de contrôle, peut-être. On a Tristan avec nous. Donc voilà, Tristan, c'est aussi un collègue de CMS. Il fait partie aussi des grands organisateurs des opérations de maintenance du détecteur. Donc ici, on a une vue un peu globale sur l'accès, sur les différents accès où on a pu voir Sonia auparavant, passer à travers le Personal Access Device. On a également le passage au niveau du matériel, le matériel Access Device. On peut avoir aussi la présence, d'où le fait d'avoir cette biométrie, la présence du nombre de personnes aussi en caverne souterraine. Et puis, on a aussi, normalement ici dans cet écran, mais je pense que c'est en cours, on a aussi le taux de radioactivité présent dans la caverne expérimentale et sur différents endroits spécifiques en souterrain. Ici, on a le technical shifter. Le technical shifter, lui, va vraiment avoir les opérations sur la partie DCS, plutôt détecteur control system, et il pourra switcher on, off certains sous-détecteurs, également avoir des alarmes, reporter des alarmes à certains experts, certains piquets, à une coordination technique qui est en charge des différentes activités de la caverne expérimentale. On a aussi le run coordination, mais eux sont plus centrés sur lorsque on est en période run. Et puis, vous avez aussi ici l'ensemble
on va dire, du panel, on va dire, de la partie vraiment sécurité. Ici, c'est le CMS Safety Panel, où, comme on l'avait expliqué auparavant, on a tous les systèmes de sécurité qui sont monitorés, où on a des données très importantes. On a le GERT System, on a le Desotel System, on a le Nitrogen Inertion System, on a le Foam System. Donc, c'est des systèmes très complexes qui sont liés également en surface et également à la partie souterraine qu'on peut voir ici. Donc ici, ces systèmes-là sont du monitoring. On peut avoir des pressions, par exemple le threshold, la pression au niveau des bouteilles de CO2, le threshold aussi au niveau des tanks de nitrogène. On a deux grands tanks à l'extérieur qui sont assez impressionnants, où on a à chacun 10 bars. Et puis derrière, on a l'ensemble des alarmes CERN ici, qui sont des alarmes plutôt de niveau 3. Ici, on a Mérin, Prévesin, c'est deux villes, une ville en Suisse, une ville en France. On a la partie SPS, comme vous l'avez pu le voir auparavant à travers la slide que j'ai pu présenter, et puis la partie LHC. Donc là, actuellement, il y a zéro alarme de niveau 3. Les alarmes de niveau 3 vont comprendre vraiment le manque d'oxygène, c'est-à-dire oxygen deficiency hazard, par exemple le fire smoke, l'ensemble des éléments qui devront engager des moyens de secours du CERN. Ici aussi, on a la complexité, comme on l'avait dit avant, du détecteur safety system. Le détecteur safety system, alors beaucoup d'alarmes aujourd'hui en attente, on a différentes alarmes de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ces alarmes-là sont liées à des racks, également à certains sous-détecteurs dans la caverne expérimentale, et nous donnent des informations, par exemple, si la turbine est off, si la turbine est on. Ça, c'est un des exemples qu'on peut avoir. On peut avoir aussi des alarmes sur le statut du magnet, si le magnet est on, off, ou si le magnet n'est pas efficace. Ou on peut avoir d'autres alarmes sur la pression entre les cavernes expérimentales. Vous voyez, là, on a la pression qui est différente, qui est trop basse. Donc, actuellement, le technical shifter va le relier à la salle de contrôle et à l'expert sur la partie HVAC. Et donc, ici, on a une pression qui est différente entre l'USC et l'UXC55. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Derrière, on a encore le hardware qui va nous permettre d'avoir des actions sur la ventilation, sur l'infrastructure, sur les alarmes de niveau 3, sur la partie cooling, sur la partie... C'est vraiment un monitoring du système, du détecteur safety system, tant sur la physique des particules que sur la protection en lui-même du détecteur. Donc voilà, on va juste retourner peut-être au niveau de la workstation et on va juste refaire un petit feedback sur ce qu'on a pu voir et puis terminer cette virtuelle visite. Sonia, we will just close. Are we all? Okay, so Morocco, it's finished. The virtual visit is finished. So it was a big pleasure to share the science with all of the world, not only in Morocco. We are doing this for many, many countries with Sonia and many scientists. And also Zoltan, the many things also to give a big thanks to Zoltan and Noemi, because they are really involved, not only in virtual visit, but also to take care about sub-detectors and also the YETS coordination and also the LS coordination. And they give all their life to this science. We know more European Space Agency, NASA, but NASA, it's also related to also STEM. It was good. I didn't say anything about this. Okay. Exactly. So ici, vraiment, l'objectif global, c'est de présenter déjà CMS, la collaboration CMS et l'expérience universitaire, l'humanique CADI. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le Maroc est dans une lignée de développer l'éducation également de ses ingénieurs et le retour d'expérience. Ici, c'est vrai, c'est la physique des particules, on ne parle pas du traitement de l'eau, puisqu'on sait que le Maroc aussi, première problématique, ça va être le traitement de l'eau, des choses comme ça, mais ça peut aider les pays dans l'organisation du pays, en quelque sorte, par exemple, pour l'éducation. Ici, quand on a des postdocs qui viennent ou des ingénieurs, ils apprennent énormément
dans les systèmes de cooling, dans les systèmes de refroidissement, de ventilation. Et c'est des éléments qu'on peut retrouver dans l'industrie marocaine aujourd'hui, notamment au nord du Maroc, ou voire même dans l'ensemble du royaume du Maroc. Donc ici, c'est aussi de donner des opportunités peut-être pour des futurs étudiants ou des futures universités ou facultés qui veulent faire certaines collaborations. Une très simple collaboration, ça peut être aussi sur la physique des particules, mais également sur des éléments du détecteur, comme par exemple, on avait une cache sur coffre qui a été faite par le Bahreïn, la nouvelle cache sur coffre. Donc le Bahreïn, tout petit pays hein, du Golfe, beaucoup plus petit que le Maroc, mais grandiose, on va dire, dans la manière de faire, puisqu'il a proposé de faire cette cache sur coffre pour CMS. Et ça, c'est des petites choses qu'on amène et derrière qu'on a au niveau du knowledge et de la connaissance qui prend du temps. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous les envoyer par email. On les répondra avec grand plaisir. Autrement, vous avez le site internet de CMS. Et puis, Tonia, peut-être que tu voulais ajouter quelque chose. Non, je voulais seulement dire que je suis totalement d'accord avec toi et que, en fait, l'implication de la physique fondamentale, des recherches fondamentales, il ne faut pas seulement regarder, c'est comme moi, par exemple, qui j'aimerais donner des explications de l'univers et tout ça, mais c'est aussi l'application et les détecteurs qu'on construit. Et donc, après, les retombées, ils sont dans les domaines médicaux, par exemple, le traitement des cancers, il est fait avec des particules, ou bien, j'ai pensé à l'archéologie, par exemple. En Égypte, ils ont utilisé les muons cosmiques avec un détecteur de l'autre côté pour faire des sortes de muographies des pyramides. Donc, ou bien, il y a aussi pour des tableaux, on fait les spectroscopies. Donc, il y a plusieurs choses, applications. On serait étonné de voir tous les retombées de la recherche fondamentale dans la vie de tous les jours. En dernier, juste pour rigoler, parce que c'est mon style, dans la recherche spatiale, ça vient, par exemple, les couches pour les enfants, les couches en papier, les Pampers. Ça vient de là, c'était développé pour les astronautes, de la même manière que la montre électronique ou le pacemaker ou certains matériaux particuliers qui pour les pompiers. Ça vient tout de la recherche de base. Donc, je pense que venir ici au CERN et apprendre comment on travaille en communauté, comment on partage les informations, connaître aussi comment travailler avec des autres cultures aussi. Parce qu'ici, vraiment, on est tout culture et on se mélange et c'est ça le plaisir. Moi, je dirais qu'on a une sorte de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que, oui, les gens qui parlent du CERN, ils veulent toujours revenir au CERN. Et donc, pourquoi pas essayer, en commençant, comme je disais, de l'école supérieure, donc du lycée, bachelor, summer student, fellowship et tout ça. Et après, peut-être, s'engager dans des choses industrielles. Pourquoi exactement. Pas. Ouais. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou des remarques à partager. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Zakaria. Ah oui, et je souhaite remercier aussi Madame Hint, aussi Dekaki Sherkawi, et aussi Anas. Peut-être j'ai oublié certaines personnes, Yasmine également, que j'ai pu voir par mail, pour l'organisation et pour avoir permis de faire cette visite. Voilà, donc merci beaucoup. Avec grand plaisir, et je tiens aussi à remercier tous les collègues du CRS. On a appris des choses. Moi, je suis hydrogéologie à trois de la physique, et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai appris que je suis quand même l'intérêt du centre, quand même, du grand laboratoire. Et effectivement, il y a plusieurs formes de collaboration. On est intéressé à plusieurs formes. Malheureusement, aujourd'hui, on est en période d'examen, donc on n'est pas assez de collègues, mais les collègues aussi, ils sont avec nous. À des droits, ils sont intéressés pour plusieurs formes de collaboration, plusieurs formes on aura le temps de discuter par mail pour voir qu'ils sont comment utiliser ensemble, mais aussi côté données, côté information, donc on aimerait bien avoir une idée sur comment on peut avoir l'information, comment on peut compléter autour de l'information d'éventuelles visites, et dans ça, c'est là aussi dans le cadre de coopération. Je ne sais pas si on va discuter aujourd'hui ou bien dans le parrain ou
j'ai entendu un peu, pas totalement. Bien évidemment, les collaborations se font avec les universités. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait probable et possible. Donc on peut voir ça par la suite plus en détail. Vous avez aussi le site internet CMS qui le met en évidence. Parce que j'ai pas très bien entendu avec le micro. Mais j'ai entendu les remerciements. Merci beaucoup. Merci à vous de la patience. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Zacharia, merci Sonia. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Merci.